Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Ça y est, on se retrouve pour la dernière vidéo de la semaine, comme promis, ce midi, direction la Bundesliga, ce soir, où forcément on va tous regarder comment va se comporter le Bayern Munich du côté de Borum. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs, il y a un canal à rejoindre absolument dès maintenant, c'est mon canal Telegram, dessus tu vas retrouver toute l'actualité de mon site internet par Foot, mais également des pronostics publics. D'ailleurs, hier, on a validé le prono public sur le canal avec au moins quatre buts dans le match entre l'Ajax et Bodo Glimt. Ça a pris du temps, certes, mais en tout cas, on valide une très très belle cote côté à 1,88. On commence tout de suite cette journée 100% Bundesliga par Cologne qui reçoit le Verdeur de Brême, une équipe de Cologne qui depuis le changement de coach va mieux en 2024, 6 points pris sur les 5 dernières rencontres, qui distance petit à petit Mayence, mais également Darmstadt, qui sont pour l'instant 17e et 18e. Et ça reste une équipe de Cologne qui à domicile contre les équipes de deuxième partie de classement fait plutôt le taf. Une victoire 3 nuls pour seulement une défaite en 5 rencontres. De son côté, Brême n'est pas forcément à l'aise à l'extérieur. On le voit seulement deux petites victoires en 10 déplacements. Et on peut ajouter à cela le fait que le Verder Brême n'a plus gagné à Cologne depuis maintenant quasiment 20 ans. Il faut remonter à 2005 pour retrouver trace d'une victoire de Brême. Donc je vais prendre nul ou Cologne à 1,44. Darmstadt qui reçoit Stuttgart malgré l'absence de Girassi. Hunda va clairement fait le taf pour Stuttgart qui est. Un concurrent à la course à la Ligue des Champions, 6 points d'avance sur Leipzig. Forcément, le retour de guirassy fera du bien. Le duo infernal de Stuttgart qui a marqué 31 des 49 buts cette année du club qui est classé 3e. Et même s'il y a eu un départ plutôt poussif, Stuttgart va mieux. Il vient d'enchaîner 3 victoires de suite, au contraire de son adversaire du jour d'Armstadt qui glisse dangereusement vers la Bundesliga 2 semaine après semaine et qui est également contre les équipes du top 5. A tout simplement perdu ces 6 rencontres. Donc, sur ce coup, la victoire de Stuttgart 1,43 me plaît complètement. Hagenheim contre eux, le Bayern, l'Everkusen. Et sur cette rencontre, clairement, il y a match. D'abord, la cote de l'Everkusen, elle a 1,32. Elle est totalement ridicule. Et les gars, quand on voit l'état de forme du promu qui enchaîne les grosses performances, ils sont sur une série de 8 matchs sans défaite avec quand même Dortmund et Fribourg à l'intérieur de ces 8 rencontres. Donc clairement, il y a du duel plutôt intéressant sur ce coup. Une équipe de l'Everkusen qui a marché sur tout le monde cette année, on va pas se mentir, forcément, ils sont ultra favoris, mais comme je te l'ai dit, attention à l'état de forme des promus, qui n'a rien à perdre sur ce coup et qui est capable de réaliser un exploit, on l'avait vu, un nul contre Dortmund, une victoire contre Stuttgart à domicile. Donc sur ce coup, je vais prendre les deux marques à 1,68, qui me paraît un peu plus value que la victoire de l'Everkusen. Offenheim qui reçoit l'Union Berlin, longtemps dans la course à l'Europe, Offenheim explose également en plein vol actuellement en 2024, seulement 3 points pris en 5 rencontres, mis à part le Bayern Munich qu'ils avaient affronté, le calendrier était pourtant assez simple, alors forcément l'adversaire du jour, l'Union Berlin, n'est pas au mieux actuellement, même si petit à petit ça commence à reprendre des points, ça va se sauver sans aucun souci, mais l'Union n'est pas forcément l'équipe la plus à l'aise à l'extérieur, c'est d'ailleurs la pire. Avec une seule petite victoire, donc on va quand même sécuriser nul remboursé si Offenheim se réveille. C'est coté à 1,81. Mayence contre Augsbourg, justement la victoire de l'Union Berlin qui a fait vraiment des malheureux. C'est le cas de Mayence qui s'enlise dans une très très mauvaise position. Une seule petite victoire cette année, c'était contre Leipzig. 11 matchs sans victoire, forcément Mayence fait office d'outsider sur cette rencontre contre une équipe d'Augsburg qui mine de rien n'est pas si mauvaise que ça. C'est plutôt contre les Cadors que Augsburg va perdre des points contre les équipes qui jouent le maintien. C'est un vaincu cette année, une victoire 3 nuls en cas de déplacement. Donc pourquoi pas un cinquième match sans défaite, nul où Augsburg s'est coté à 1,70. On enchaîne avec Wolfsburg qui reçoit Dortmund, incapable de gagner en 2024. Wolfsburg a quasiment dit adieu à l'Europe, on ne va pas se mentir. C'est beaucoup trop loin pour les locaux, au contraire de Dortmund qui actuellement se bat plutôt bien. Alors là aussi, il va falloir faire attention. Ça joue la Ligue des Champions la semaine prochaine. C'est également un élément à prendre en compte. Et même si Dortmund est ultra à l'aise du côté de Wolfsburg avec 7 victoires sur les 10 derniers déplacements, là aussi, je vais venir sécuriser. Dortmund, ce n'est pas forcément. L'équipe qui me donne le plus de valeur sûre, on va dire, dans les saisons. Donc, je vais prendre Dortmund remboursé si nul à 1,57. Leipzig contre Mönchengladbach, un début 2024 assez poussif quand même pour Leipzig. 4 points pris en 5 matchs en championnat. Défaite contre le Real Madrid qui, logiquement, devrait se qualifier pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Donc, attention à Leipzig de ne pas tout perdre en cette fin de saison. On le sait également. Offensivement c'est une valeur sûre, ils n'ont pas su marquer contre le Real Madrid malgré quelques actions, mais en Bundesliga généralement ça fait le taf. Mais là aussi, petite alerte sur ce coup, Kagadbar, c'est tout simplement 9 matchs sur 10 où ils ont marqué au moins un but à l'extérieur, donc je vais prendre les deux marques à 1, à 46, on enchaîne avec Fribourg qui reçoit Francfort, duel de temps à l'Europe où les deux clubs auront forcément des ambitions de s'imposer. Mais d'un côté, on a une équipe de Fribourg qui monte de grosses difficultés contre les équipes classées au-dessus de 7 défaites. Un nul en 8 matchs. Au contraire de Francfort qui a la particularité quand même d'avoir perdu beaucoup plus de points contre les équipes de bas de classement que contre les équipes de haut classement. Là aussi, Fribourg, le match se joue entre deux rencontres contre le se lance. Est-ce qu'il y aura de la fatigue Est-ce qu'il n'y aura pas une priorité peut-être sur le match retour, au vu de ce que peut espérer Fribourg en championnat, je prends nul ou Francfort à 1,53. Et enfin, forcément, le Bayern Munich, humilié la semaine passée à l'Everkusen 3-0, battu du côté de la Ladio 1-0. On avait d'ailleurs détecté cette value bête sur YouTube en proposant le score de 1-0 côté A17. Le Bayern se déplace à Borum. Ça fait peur. Ça fait peur pour les Bavarois qui, sur le papier, sont ultra, ultra favoris. Mais attention encore une fois sur ce coup. Cette équipe de Bayern, peut-être les joueurs, je me dis, auraient peut-être lâché Thomas Tuchel une nouvelle défaite et je pense que le coach allemand sera remercié dès euh, cette semaine. De son côté, Borum est capable de faire des trucs à domicile. Une seule défaite à domicile, c'était contre Stuttgart. Donc pourquoi pas Je me dis également si le Bayern lâche son coach, ça perd. Si le Bayern joue sérieusement, ça gagne. J'exclus clairement le match nul. Un petit peu comme Leverkusen. Le Bayern est coté à 1,32. Honnêtement, il ne faut pas déconner sur ce coup. Donc, victoire de Borum. remboursée si le Bayern s'impose ses côtés à 1,77. Et honnêtement, dans cette rencontre, je ne vois pas autre chose. Même le plus de 2,5, il y a 1,30. Les cotes, elles sont ridicules. Donc, on va partir sur ça. Borum remboursé si Bayern à 1,77. Au pire, vraiment, on se fait rembourser sur ce coup. Donc, voici la team. Mes pronostics concernant cette nouvelle journée de Bundesliga. On se retrouve donc dimanche soir pour parler Ligue des Champions avec les 4 dernières rencontres en espérant faire aussi bien que cette semaine, on avait trouvé trois scores exacts sur la vidéo YouTube. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.